Aujourd'hui, on se retrouve pour les plus beaux véhicules utilitaires. Alors, on va découvrir le livreur de bouteilles de gaz et la Peugeot 203 Pick-up. On va découvrir tout ça ensemble, les amis. C'est que numéro 23, comme je disais tout à l'heure, on va découvrir le livreur de bouteilles de gaz dans sa Peugeot 203 Pick-up. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, bah, toujours pareil, dedans, hein, nous avons le livreur, l'histoire du livreur des bouteilles. Voilà. Ensuite, les caractéristiques du Jurama, comme toujours. Voilà. Ensuite, une histoire sur Peugeot 203, le rêve américain. Voilà. Ensuite. Alors, marqué Butagaz, la vraie marque. Voilà. Alors, elle a une couleur bleu métallisé. Alors, franchement, un très beau bleu. Voilà. C'est sympa. Là, nous avons un petit logo de Butagaz. Les jantes sont de la même couleur que la carrosserie. C'est sympa aussi. Voilà. Et nous avons à l'arrière des bouteilles de gaz. Ensuite, il a marqué aussi Butagaz. Gaz inflammable marqué dessus. Voilà. Puis en dessous du châssis, bon ben voilà. C'est sympa aussi. En tout simple. Voilà. Il est vraiment magnifique celui-ci. Ensuite, l'intérieur il est bleu aussi comme la carrosserie. Avec les sièges noirs à l'intérieur. Voilà. À l'avant, qu'est-ce que je peux dire? Ben, il est vraiment très très bien reproduit, je trouve. Donc, pas un petit défaut. Le petit rétroviseur présent. Voilà. Non, franchement, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Avec un petit poil dedans. Voilà. Non, mais franchement, il est bien. Voilà pour le Peugeot. Ensuite, on va découvrir le petit bonhomme. Alors, le petit bonhomme est vraiment bien peint. Il est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, avec sa petite bouteille de gaz, avec le petit chariot. Hein, voilà. Avec son petit diable, je voulais dire. Voilà. Assez sympa. Voilà pour le petit bonhomme. Ensuite, on va découvrir le Durama. Alors franchement, il est vraiment magnifique, hein, la droguerie. Voilà, papier peint peinture en même temps. Puis qui vend aussi en même temps les bouteilles de gaz, hein, dans cette boutique. Voilà, ça peut être vendu de tout, hein, parce que c'est un petit magasin qui vend de tout. Voilà. Franchement, il est vraiment magnifique. Un beau bleu ciel avec des petites bandes rouges. Petit panneau publicitaire Butagaz, hein, qui vend dedans. Après, le petit protège pour les gens, hein, un petit genre de pare-soleil. Voilà. Assez sympa. Voilà. Et puis la route, hein, bah, toujours basique, hein, c'est toujours les mêmes routes.
qu'on retrouve à chaque diorama. Alors du coup on va exposer notre petit bonhomme. Alors je vois qu'il y a plusieurs trous, est-ce que c'est pas pour plusieurs différences de du montage. Alors eux, ils le présentent. D'accord, c'est pour plusieurs trous. Alors là, ça, je voyais ça s'était collé. Alors ça, c'est pour mettre comme ceci. Voilà. Et les petites bouteilles qu'on peut mettre comme ceci. Voilà. Le petit bonhomme. Et puis, petite voiture installée. Voilà les amis.